Pasta Ziza. C'est encore un grand honneur d'être avec vous ce midi. Namahirwe akomeye kuba ndi kumwe namwe amasaha ya saa sita. Je vais commencer par remercier tout ce qui a été fait. Ngiye gushimira ibyakozwe byose n'abikoze. Les témoignages. Ubuhamya bw'abari uyu munsi. La leçon. Isomo. L'histoire des enfants. Igitekerezo cy'abana. Le chant. Indirimbo yaririmbwe. Pour moi, tout est fait. On peut rentrer. Kuri njyewe byose byarangiye, nshobora gusubira, dushobora kwitaha, tugasubira iwacu mu rugo. Est-ce que c'est votre souhait? Mbese ni ko mubishaka namwe? Ok, je suis content. Ndishimye rero cyane. Puisque même si Isaac nous a annoncé qu'on va jeûner, nubwo rero Isaac yababwiye ko tuza kwiriza ubusa uyu munsi, aujourd'hui Dieu nous a promis un bon repas. Uyu munsi ariko Imana yo yaduhaye ibyo kurya bikomeye cyane. Et avant de commencer, mbere yuko ntangira, je vais faire une pensée spéciale. Hari igitekerezo cyangwa se icyifuzo igitekerezo nshaka une pensée spéciale, je vais porter une pensée spéciale. Hari ikintu nifuza kubabwira. Aux témoignages, puis les demandes qui nous ont été formulées, puis formulées à Dieu. Que je vais vous demander de continuer à prier pour toutes ces personnes qui ont fait des témoignages. Même ceux et celles qui n'auront pas fait, mais qui ont des choses qui pensent qu'ils pourraient adresser à Dieu. Et spécialement, je vais vous demander de prier pour Haïti. Comme vous avez suivi les nouvelles, ça bouge beaucoup en Haïti. Nous avons des frères et sœurs, des connaissances, des membres de l'Église qui ont des familles là-bas. Dufite abantu aho tuziranye ndetse n'abizera b'itorero batuye bafite abavandimwe mu gihugu cya Haiti. Spécialement, je vais penser à la femme de notre frère Renata. Rero mama ntekereza umufasha cyangwa se umudamu uriya umuvandimwe Renata Daphne. Sa femme et ses enfants sont encore en Haïti. Abana be n'umugore we bari muri Haiti. Ok, je vais vous demander aussi d'adresser vos prières à sa famille qui est encore là. Dusabire abana n'umugore we bari muri cya gihugu. Et je vais donc vous inviter à vous incliner, on va faire une petite prière. Karero twicishe bugufi dusenge. Éternel Dieu, notre Père qui es au ciel, encore une fois, nous adressons nos prières à toi. Nous te demandons, Seigneur, de les exaucer. Seigneur, je te demande à ce que tu sois avec toutes les personnes qui sont dans des moments difficiles. Les personnes qui passent, Seigneur, des épreuves, envoie tes anges pour que ces gens puissent être renforcés puis qu'ils sortent gagnants, Seigneur, pour qu'un jour ils puissent témoigner de ta bonté. Et au moment où nous allons partager ta parole, Seigneur, je t'invite à ce que tu fasses descendre ton Saint-Esprit. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas capables, mais grâce à toi, tu nous donnes à dire, puis tu nous aides aussi à écouter pour qu'on se prépare à ton arrivée. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que je prie. Amen. Amen. Aujourd'hui, on n'a pas la projection, mais le titre d'aujourd'hui, ça s'appelle « Qualité ou quantité ». Ntabwo bansize interuro hano ariko interuro y'uyu munsi iravuga ngo mumfashe qualité ou quantité byinshi cyangwa se cyangwa byiza qualité ou quantité byaba ari byinshi byiza cyangwa byinshi byiza cyangwa byinshi to comprendre ubwo ntabwo kubyumva neza mu Kinyarwanda ngo babarire abazi Kinyarwanda neza hari mwamfashe. C'est qualité ou quantité. Et je vais vous demander d'ouvrir vos Bibles. On va lire dans Juges 7.
premier verset jusqu'à 11. Le titre dit « Victoire sur les Médianites ». Verset 1 jusqu'à 11. Le titre c'est Victoire sur les Médianites. Jérubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Haroth. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, tu vas lire après. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galat. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-le descendre vers l'eau, et là, je t'en ferai le triage. Celui donc, je te dirai, que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai, que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Au verset 5, Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tout ce qui l'apprend l'eau avec la langue comme lape le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ce qui la perd l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains, firent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chez soi, chacun chez soi. On prit les vivres du peuple et ses trompettes. Puis Gédéon envoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessus de celui d'eau dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, « Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. » Il descendit avec Pira, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Jusqu'à 11. Bon, tu as sûrement cru aussi. Yerubali ariwe Gideyoni n'abantu bose bari kumwe nawe bazinduka mu gitondo kare bajya kugandika ku isoko ya Harodi kandi ingando z'abamidiyani zari kasikazi yaho mu kibaya giteganye n'umusozi More. Nuko Uwiteka abwira Gideyoni ati abantu muri kumwe bakabije kuba benshi nicyo gituma ntemera gutanga abamidiyani maboko yanyu kugira ngo Isirayeli batangirire aho bati amaboko yacu ntiyadukijije. None genda ujya imbere y'ingabo urangurure uti utinya wese muri mwe agahinda umushyitsi nave ku musozi Gileyadi atahe. Nuko abantu inzovu ebyiri n'ibihumbi bibiri barataha hasigara inzovu imwe. Uwiteka aherako abwira Gideyoni ati abantu baracyakabije kuba benshi, manuka nabo mujye ku mugezi mbakugererezeyo. Nuko uwo ndi bukubwire ko ari we mujyana ari we mujyana, kandi uwo ndi bukubwire ko ntimujyane ntagende. Muri wa gatanu, nuko amanuka n'abo bantu bajya ku mugezi. Uwiteka abwira Gideyoni ati umuntu wese uri buje abaguza amazi ururimi nk'imbwa umushyire ukwe, kandi uri bumwe apfukamye umushyire ukwe. Umubare w'abanywesheje amashyi aba 300, ariko abandi bose banyoye bapfukamye. Uwiteka abwira Gideyoni ati abantu 300 banywesheje amashyi nibo nzabakirisha, kuko nkugabije Abamidiyani. Nuko abandi bose nibasubira iwabo. Abo 300 benda impamba za bagenzi babo n'amakondera
maze Gideon yohereza Abisirayeli bandi bose mu mahema yabo ariko we asigara nabo 300 kugira kandi urugerero rwa Midiyani rwari hepfo ye. 9 ijoro ry'uwo munsi Uwiteka aramubwira ati haguruka umanuke ujye mu rugerero rwabo kuko mba kugabije. 10 kandi utinya kumanuka jyana n'umugaragu wawe Pura muri urwo rugerero. Mwumve ibyo bavuga uhere ko ugira imbaraga, nuko manuka ujye mu rugerero. Amanuka n'umugaragu we Pura bagera mu ngabo za mbere zari zirinze urugerero. Amen. Vous connaissez tous l'histoire de Gédéon? Ceux qui ne la connaissent pas, je vais vous inviter quand vous aurez le temps à la maison de lire tous au chapitre 7. Mais aujourd'hui, à travers l'histoire de Gédéon, Gédéon, que Dieu qualifie de vaillant héros, nous allons voir comment la notion de qualité est plus importante que la quantité dans notre vie chrétienne. L'humilité et la confiance en Dieu sont plus importantes à tout ce qui frappe nos regards. J'ai fait une petite recherche quand je préparais la leçon d'aujourd'hui. J'ai été voir sur Internet. Et j'ai trouvé que le mot Madian ou Madianite dans leur langue, ça veut dire la lutte ou la dispute. Mais en soi, c'est le nom d'un territoire qui se trouve dans le désert au nord de la péninsule arabique. Vers les années 1100 avant Jésus-Christ, les Israélites, sous le commandement de Gédéon, qui s'appelle aussi Jerubal, ils vont livrer une bonne bataille envers ou contre les Midianites. Mais à cette époque, ce que l'histoire nous dit, c'est que suite à cette bataille, les Midianites vont presque disparaître de l'histoire. Mais à travers cette histoire de Gédéon, vous allez comprendre que ça n'a pas été facile. Tout le chapitre 7 nous aide à comprendre ce qui Gédéon, puis comment son histoire ça s'est passé, comment il a pu mener cette bataille. À cette époque, les Midianites étaient un peuple très puissant. Ils avaient une grande armée. Selon l'histoire, c'était une armée d'environ 150 000. C'était un pays qui était proche des Israélites. Mais ils avaient développé une crainte envers Israël. Fait qu'à tout moment, ils pensaient qu'à un moment donné, Israël viendra les dominer. Fait qu'ils avaient alors développé une façon de se protéger. Ils allaient chaque année attaquer Israël. Israël. Et leur objectif, c'était d'anéantir le peuple d'Israël. Et
Et lorsqu'ils venaient attaquer Israël, c'était une grande armée. Les gens qui connaissent les sauterelles, prenez l'image comme si c'était des sauterelles qui sautent dans un champ pour ravager le champ. Donc, c'est comme ça qu'ils venaient envahir les Israélites. Et lorsqu'il y avait cette guerre, ou ces guerres, le peuple d'Israël était traumatisé. Fait qu'il fallait chercher où se cacher. Il fallait creuser un trou pour sauterer dans le trou. Sinon, c'était la mort. Alors, ce que la Bible, ce que l'histoire nous dit, Gédéon, qui était un de ces juifs, un des Israélites, lui faisait partie d'une. Une pauvre famille, une petite famille. Lui-même, c'était un pauvre monsieur. On ne sait même pas s'il avait été à l'école. Fait que, pendant ce moment qui commençait à se préparer donc à l'envahissement des Madianites. Fait que Gédéon était en train de creuser son trou. Où est-ce qu'il va se cacher? Gédéon est nawe yari muri bamwe bacukuraga imyobo ashakisha ukuntu ahantu azihisha igihe bazabamuteye. Il allait chercher quelques provisions qu'il va manger dans son trou en attendant que donc les envahisseurs retournent. Parce que l'attaque ou la guerre des Madianites était proche. Mais il va se passer quelque chose de spécial. Dieu va s'adresser à Gédéon. Il va le nommer ou l'appeler dans son nom. Et il va lui donner une mission. Il va lui dire que c'est lui qui va mener la bataille contre les Madianites. Frères et sœurs, Gédéon n'en revenait pas. Gédéon ntabwo yabyumvise na gatoya. Il n'y croyait pas. Nta nubwo yabyemeraga ko ibyo bintu bishobora kuba. Je vous ai dit que c'était un pauvre monsieur. Nabwiye ko kaya yari umuntu w'umukene. On ne sait même pas s'il avait été à l'école. Ntabwo tuzi niba yarize no kwiga. Et il savait rien de l'armée. Nta kintu yari azi, ntiyarize igisoda, ntiyarize igisirikare, ntabwo yarigeze mu gisirikare. Fait que il ne comprenait pas. Mais Dieu a vu que Gédéon ne comprenait pas et qu'il doutait. Puis Dieu a insisté en s'adressant à Gédéon en lui disant non, c'est toi qui dois diriger la guerre contre les Madianites. Pensez-vous que c'était facile pour Gédéon, mes chers amis? C'est lui sur lequel personne parmi les Israélites ne pouvait pas compter. C'est lui que Dieu désigne pour aller mener une bataille contre une sauterelle d'armée. Et lorsque je préparais la leçon, et que je suis arrivé donc à cette réflexion, et je me suis dit que c'est le mode de fonctionnement de Dieu. À toutes les fois dans l'histoire, Dieu a utilisé les gens qui ne valent rien. Ça, je pense que je
je vous amène rien de nouveau. Les personnes en qui personne ne croit. Les personnes qui n'ont même pas de qualité. Les personnes qui sont même pas reconnues dans la société. Mais ce sont ces gens que Dieu a toujours utilisés. Alors, il va t'y opérer un miracle dans Gédéon. Il va commencer à y croire. Fait qu'il commence à avoir la force. Je dis la force, le courage, c'est ce que je veux dire. Mais vous savez, c'est quoi qu'il avait comme soldat? À ce moment, la Bible nous dit que c'était 32,000 hommes. Et ces 32,000 devaient aller combattre contre 120,000 ou 150,000 personnes. Mais les gens qui ont lu l'histoire, ils savent comment ça s'est passé. Ce n'est même pas avec ces 32,000 que Gédéon a pu gagner la bataille. Vous savez, Dieu va donner des consignes à Gédéon. À chaque fois que Dieu nous donne une mission, il s'assure que la réussite ne provient pas de nous-mêmes, mais que ça provient de lui. En laissant Gédéon aller mener la guerre contre les Madianites avec les 32,000 hommes, Dieu, il savait qu'après, s'ils gagnent, ils vont se vanter que c'est à cause de leur effectif, que de leur force, qu'ils ont gagné la bataille. Fait que Dieu va donner des conseils qui viennent encore empirer la situation de Gédéon. Fait que il va dire à Gédéon de demander aux 32,000 hommes que celui qui a la peur retourne chez lui. Et vous pensez qu'il est resté combien? Les gens qui ont lu. Combien? Ça, c'est après l'opération. 10,000 hommes vont retourner chez eux. Fait que 32,000 moins 10,000, ça reste combien? Ok. Mais pour Dieu, ce n'était pas toujours suffisant. Il fallait les réduire encore. Mettez-vous à la place de Gédéon. Au départ, j'ai dit qu'il connaissait bien de la bataille. Mais les quelques milliers d'hommes qu'il avait, Dieu est en train de les réduire. Est-ce que la tâche était facile pour Gédéon? C'est que Dieu ne va pas s'arrêter aux 22,000. Il va donner encore une autre consigne à Gédéon. Il va lui dire que les 22,000 sont encore trop. Puis il
Jésus va lui demander de descendre les 22 000 à la rivière. Et il va lui donner un conseil. Ici parmi nous, et je ne sais pas s'il y en a qui ont fait le métier de soldat. Mais lorsque les soldats s'envoient à la bataille, moi je n'ai jamais été ça, mais je les ai vus. Lorsqu'ils s'envoient à la bataille, ils sont lourdement habillés. De façon que lorsqu'ils arrivent mettons à la rivière, ils n'enlèvent pas les choses. Il faut se débrouiller pour boire. Souvent, lorsqu'ils sont sur le champ de bataille, ils ne mangent même pas assis. Ça, vous savez pourquoi? C'est pour toujours garder l'œil sur l'ennemi. Parce que si on a tout mis à terre, puis qu'on boit normalement, et que l'ennemi arrive, la tâche va être difficile pour le soldat. Fait que la consigne que Dieu va donner à Gérante, prends les 22 000, descends-les à la rivière. Fait que ceux qui vont se pencher pour boire, puis qui vont ramasser l'eau, puis ramener l'eau à la bouche, tous ces gens qui les retournent chez eux. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont courbés, ils ne sont pas en train de checker ou de vérifier d'où vient l'ennemi. On peut le surprendre. Puis Dieu a continué dans sa consigne. Il a dit ceux qui vont chercher l'eau, puis qui vont l'amener, puis qui vont boire debout. Qui serait en train de surveiller les alentours. C'est avec cela que tu vas mener la guerre. Pensez-vous que c'est combien qui sont restés avec Jésus? Combien? 300. Fait que prenez 22 000 moins 300, c'est combien qui sont retournés à la maison? Combien? En fait, c'est 21 700. C'est que Gédéon est resté avec 300 hommes plus lui, donc ils étaient 301. On a une armée de 150 000. On est 301. Il faut qu'on aille affronter donc. Qu'est-ce que vous en pensez? Pardon? Oui, c'est bien. On s'en va vers ça. Mais ma question est la suivante. Si vous êtes Gédéon, vous n'allez pas mettre les mains en l'air? Mes chers amis, aujourd'hui, ce texte de Gédéon nous amène à réfléchir. Ça nous amène à comprendre que pour Dieu, ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité. La qualité.
Donc pour Dieu, si on continue, pour Dieu, lui, il ne fonctionne forcément pas avec les chiffres ou le nom. Lorsque Dieu veut que la victoire soit acquise, avec un ange, on va tout accomplir. Il ne va pas nous envoyer tous les anges. Est-ce que vous connaissez combien des anges qui sont au ciel? Mais lorsqu'il nous donne la victoire, c'est avec seulement un ange qu'on va avoir la victoire. Les gens qui ont lu l'histoire de Gédéon, donc Gédéon a pu livrer la bataille avec ses 300 hommes. Gédéon a été kurwana iriya ntambara n'abantu 300 et il a pu gagner la bataille. Amen. Donc pour Dieu, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Parce que si vous avancez dans le chapitre 7, vous allez voir que oui, Dieu a vu que Gédéon avait quelques doutes, il n'avait pas d'assurance en lui. Même après cette consigne, avant-dernière consigne qu'il avait donnée à Gédéon. La dernière consigne que Dieu a donnée à Gédéon, c'était de prendre son serviteur puis de descendre avec lui, puisque les Madianites se trouvaient comme dans une vallée. Ils sont allés la nuit. Ils les ont écoutés. Ils les ont surpris. Puis ils les ont vaincus. Si vous voulez comprendre davantage, lisez tout le chapitre 7 de Jésus. Ça nous ramène à nous les chrétiens. Tout ce que Dieu veut pour nous, pour toi, pour moi, ce n'est pas le nom ou la quantité. Ce que Dieu veut pour nous, c'est la qualité. L'histoire de Gédéon nous montre que ce n'est pas parce qu'il y a des milliers de soldats que nécessairement il va y avoir la victoire. On l'a vu dans cette histoire de Gédéon. Et si on fait un lien avec notre vie quotidienne, peut-être que vous avez une grande adversité dans vous. Peut-être qu'il y a des combats que vous êtes en train de mener dans vous. Peut-être qu'il y a tout un paquet de malheurs qui s'abattent sur vous. Beaucoup de soucis que vous avez. Mais ça ne veut pas dire que vous avez perdu la victoire. Mes chers amis, je pense que je vous apprends rien.
Il y a des choses qui nous arrivent. En tant que chrétien, mais ce n'est pas parce que tout Montréal est notre ami qu'on va s'en sortir. Des fois, ça va prendre même une personne qui vient d'ailleurs, qu'on ne connaissait pas. Donc, dans des moments difficiles, dans des moments d'adversité, lorsqu'on se trouve devant une grande bataille, c'est grâce à Dieu, c'est grâce aux anges que Dieu va nous envoyer. Si on continue dans cette histoire de Gédéon, et même dans la Bible, Dieu nous envoie ses anges pour qu'on puisse hériter son salut. Imani twohereza abamarayika kugira ngo dushore gukizwa. Si on se confie à Dieu. Igihe rero twizeye Imana cyangwa si on se met entre ses mains. Igihe twishyize mu maboko y'Imana. Le reste c'est Dieu qui va la faire. Ibisigaye ni Imana ibikora. Et je pense que vous ne doutez pas, il y a personne qui doute ici. Nkuko ndizera ko mudashidikanya. Dieu et ses anges sont très puissants. Imana nawo marika wabo na ni ibintu bikomeye cyane. Et Dieu est capable de faire même des miracles par de petites choses. Imana ishobora gukora ibitangaza ikoresheje utuntu dutoya. Des fois des choses qu'on ne connaît même pas. Ibintu tutanazi. Qu'on ne s'y attendait pas. Ni ibintu tutatekerezaga. Un autre domaine pour nous montrer ou pour vous montrer que la qualité prime sur la quantité. Ikindi cyerekana yuko ubwinshi ntacyo bumeze nk'ubuke bwiza. C'est lorsqu'on revient dans l'histoire et qu'on parle des sacrifices. Ni nguko tugarutse muri iki gitekerezo tukumva ibyerekeranye n'ibitambo. Fike, je vais demander à Isaac de lire dans Michée 6, le chapitre 5. Mika gatandatu. Michée 6, verset 1 à 8. Gatandatu murongo wa mbere kugeza wa munane. Noneho nimwumve icyo Uwiteka avuga ati: haguruka uburanire imbere y'imisozi, udusozi tumwe twumve ijwi ryawe. Mwa misozi mwe, namwe mfatire zise zitajegajega, nimwumve kuburana k'Uwiteka, kuko Uwiteka afitanye urubanza n'ubwoko bwe kandi azaburana na Isirayeli. Yemwe bwoko bwanjye, nakugize nde? Icyo nakuruhijeho ni iki ukimpamye? Nakuzanye nkuvana mu gihugu cya Egiputa, ndakurokora ngukura mu nzu y'ubuziretwa, nohereza Mose na Aroni na Miriyamu imbere yawe. Yemwe mwa bwoko bwanjye, noneho nimwibuke icyo Balaki umwami w'Imowabu yagambiriye n'icyo Balamu mwene Bewori yamushubije. Mwibuke uhereye i Shitimu ukageza i Gilugali kugira ngo mumenye ibyo gukiranuka Uwiteka yakoze. Mbese nditwara ko Uwiteka ngapfukamira Imana isumba byose nituye iki? Nayitwaraho njyanye ibitambo byoswa n'inyana zimaze umwaka. Aho Uwiteka yakwemera amapfizi y'intama ibihumbi cyangwa imigezi y'amavuta ya Elayi inzovu? Ese natanga imfura yanjye ku gicumuro cyanjye, imbuto y'umubiri wanjye nkayihonga ku cyaha cy'ubugingo bwanjye? J'ai dit jusqu'à août. Yewe mwana w'umuntu we, yakweretse icyizi cyari cyo. Icyo Uwiteka agushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Merci Isaac. Ça c'est notre domaine qui nous montre que pour Dieu, c'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité. Ibi biratwereka yuko ku Mana ibyo Imana ibishaka ntabwo ari ubwinshi ahubwo ni ibike byiza. Ce ne sont pas des milliers de troupeaux qu'on va lui offrir. Ntabwo ari amafi cyangwa se amatungo menshi tuzayiha. Ce ne sont pas les milliards de dîmes et de francs qu'on va donner. Ntabwo ari miliyari z'amaturo n'imigabane tugiye gutanga.
vous savez, dans le temps, il y en a même qui donnaient leurs enfants. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Moi, lorsque j'ai grandi là, à cette époque, le dixième enfant était offert à Dieu. Et nous avons dit que 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 nous avons dit. Ça, je pense que j'extrapole. Fait que c'est pas toutes ces choses, la grandeur ou la quantité de toutes ces choses qu'on va donner à Dieu, que tout est accompli. Et ce n'est pas ça qui est plus important ou qui prime aux yeux de Dieu. Dieu, il veut la qualité. Aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai manqué à aucun sabbat. Est-ce que pensez-vous que le fait de venir à toutes les sabbats, que moi, François, ça me donne le salut? Je risque de susciter une certaine réflexion dans vous. Et si vous ne prenez pas le temps de comprendre, vous risquez de dire que j'ai semé une discorde en vous. Comprenez bien, je ne suis pas en train de dire que venir à l'église tous les sabbats n'est pas important. Mais le plus important encore, c'est notre disposition d'esprit lorsqu'on s'en vient. Si je m'en viens à l'église le matin, comment est mon cœur? Et quand je sors de l'église, est-ce que je suis venu à l'église pour que les anciens voient que j'ai manqué aucun sabbat? Aussi, je suis venu à l'église et que j'avais un cœur troublé, j'ai bénéficié des enseignements et je sors guéri. Donc, brièvement, Dieu nous demande d'être ponctuels, présents ici à l'église chaque samedi. Mais plus que ça, il nous demande de venir avec un cœur qui est comment? Chargé. Donc ça c'est pour vous montrer que pour Dieu c'est pas la quantité qui compte mais c'est la qualité. La qualité de mon cœur. La qualité de ton cœur. Marcher humblement avec Dieu. Se confier à lui. Lui dire tous nos soucis. Et avoir la confiance qu'en lui, on va avoir la solution. Mes chers frères et sœurs, la disposition de notre cœur. La qualité de notre cœur va nous apporter plus contrairement à notre fréquentation quotidienne au sabbat. Pour terminer dans ce même angle d'idée, je vais vous rappeler quelque chose. Est-ce que vous avez eu le temps de méditer sur le chant qu'on chante lorsqu'on donne les offrandes à Kinyarwanda?
harugo mugerageza gutekereza ku ndirimbo turirimbo iyo turi gutanga amaturo mu Nyarwanda. Le pauvre monsieur. Umukene. Qui n'avait rien à donner. Utari ufite ikintu yatangaga. Qui a observé les riches qui étaient en train de donner. Wagerageje kubona abakire batangaga. Mais qui a dit, Dieu, j'ai rien à te donner, mais je te donne mon cœur. Ariko aravuga ati Imana nta byinshi ifite ariko nguhaye umutima. Est-ce que pensez-vous que Dieu a accueilli, a reçu l'offrande de ce pauvre monsieur? Mbese Imana yaba yaremeye ituro ry'uriya mupfakazi? Je n'en doute pas. Ntabwo rwose mbishidikanyaho. Une autre affaire pour vous montrer comment la qualité compte plus que la quantité. Rappelez-vous l'histoire du mariage dans la Bible. Lorsqu'il y avait 5000 personnes, et qu'on n'avait plus rien à les nourrir. Ça, c'est pas une histoire nouvelle. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un jeune homme qui avait quoi? Combien? Abiri, et combien de pain? Mais avec sa disposition d'esprit, il a pris les deux poissons et les cinq pains. Il les a présentés à Jésus en disant, Jésus, c'est tout ce que j'ai. Mais par la suite, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que le monde a pu manger? Est-ce qu'à ce moment, c'est la quantité qui a compté ou la qualité? Non, je ne vais pas vous garder longtemps. Mais pour terminer, je vais vous laisser avec une prière. Une prière qu'on trouve dans Luc 18, 11 à 14. Je vais demander à Isaac de la lire. Luc 18, 11 à 14. Oui, 11 à 14. Umufarisayo arahagarara asengera mutima ati Mana ndagushimiye yuko ntameze nk'abandi b'abanyazi n'abakiranirwa n'abasambanyi cyangwa ndetse n'uyu mukoresha w'ikoro mu minsi irindwi hose niyiriza ubusa kabiri ntanga kimwe mu icumi mu byo nungutse byose naho wa mukoresha w'ikoro ahagarara kure ntiyahangara no kubura amaso ngo arebe mu ijuru ahubwo yikubita mu gituza ati Mana mbabarira kuko ndi umunyabyaha ndababwira yuko uwo muntu yamanutse agiwe ariko utsindishirizwa ari we utsindishijwe kuruta wa wundi kuko uwishyira hejuru azacishwa bugufi ariko uwicisha bugufi azashyirwa hejuru. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse, qui nous donne la qualité au lieu de la quantité. Imana iduhe ibyiza kurusha ibyinshi.